Et bienvenue sur Europe 1, l'antenne vous est ouverte au 39-21 pour que vous puissiez nous parler en toute liberté de ce qui vous touche, de ce qui vous émeut, de ce qui vous met en colère. Aucun thème n'est imposé. Chaque soir, vous le savez, c'est vous qui composez le programme de cette libre antenne en nous parlant de votre vie, et d'autres auditeurs pourront alors nous rejoindre parce qu'ils se retrouvent dans votre histoire ou parce qu'ils ont envie tout simplement d'échanger avec vous. Ce soir, vous serez accueillis par Clémence et Quentin avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez à tout moment nous livrer vos réflexions puisque nous sommes en direct, bien sûr. Alors, vous pouvez le faire par SMS au 7-21-21 code nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. 39-21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanc. Europe 1, la hotte de Noël. C'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Vous le savez, c'est tous les jours Noël sur Europe 1 et tous les soirs, dans la journée aussi, hein, mais tous les soirs, la hotte de Noël est encore pleine. Le Père Noël a laissé beaucoup de cadeaux pour vous. Et pour cette dernière hotte de la journée, vous pouvez jouer bien sûr jusqu'à 1h pour gagner ce soir un coffret Wonderbox, une sélection des coups de cœur d'Europe 1, l'intégrale d'Anne Roumanoff, l'album Top 50, Blu-ray du film Le premier jour du reste de ta vie, et puis plein d'autres surprises. Alors tentez votre chance en nous appelant dès maintenant sur le 39-21, 34 centimes par minute, ou envoyez un petit SMS avec le mot Noël, N-O-E-L, au 7-21-21, 50 centimes, plus le coût d'un SMS. Et si vous voulez voir la liste de tous les gagnants, eh bien vous pouvez aller faire un tour sur notre site www.europe1.fr. Europe 1. Des petits messages déjà qui arrivent au 7-21-21. Le valet de cœur qui dit, eh ben justement, moi j'ai choisi cette nuit pour aller sur la capitale. Vous n'auriez pas une luge et un bonnet? Quand te reverrai-je, pays merveilleux? C'est le valet de cœur, hein, qui dit ça, mais voilà, je chante pour lui. Oui, c'est un peu ça, hein, n'oubliez pas vos moufles. Faites attention, hein, ça glisse cette nuit. Sergio me dit, je suis là et sous la neige, ça glisse, prudence et de rigueur. Je serai donc peu actif ce soir. Sergio, si vous êtes sur la route, on tient à vous tous, hein. Si vous êtes sur la route, non, allez, n'envoyez pas de texto ce soir, ou alors arrêtez-vous aussi si vous voulez jouer au grand jeu, la hotte de Noël. Mais même si vous êtes moins réactif pour l'émission, vraiment, je vous en voudrais pas. Je préfère vous garder en vie encore très très longtemps et vous entendre, enfin vous lire pendant les émissions suivantes, hein. Ce soir, gardez bien les deux mains sur le volant, surtout. Et puis tiens, c'est Julien du 62 qui nous cite Bob Kennedy, qui dit: quand on ose, on se trompe souvent, quand on n'ose pas, on se trompe toujours. Joli ça, et après tout ça peut être utile. Merci Julien. On accueille tout de suite Élodie. Bonsoir Élodie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis obligée de partir assez loin. D'ailleurs, vous me connaissez parce que je vous avais parlé du mariage de mon cadet qui avait disparu pendant 12 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi.
et qui s'est mariée. Souvent, il faut m'en dire un petit peu plus. J'ai une bonne mémoire, mais ça va certainement me revenir avec des détails que vous allez me dire au fur et à mesure. Mais bon, commencez par... J'avais été une enfant maltraitée psychologiquement, je dis bien psychologiquement. Donc, j'ai été constamment dénigrée par mes parents. Il s'en est suivi de nombreuses dépressions. Après, ça m'a poursuivi dans ma vie de femme, dans ma vie de mère. Et j'ai eu deux enfants d'un premier homme. Et il m'a abandonnée alors que les enfants étaient petits. Et là, comme j'avais pas de formation professionnelle, j'ai dû faire un tas de boulots, de petits boulots. Et ensuite, j'ai fait une formation professionnelle. Là, j'ai pu les reprendre avec moi. Mais alors là, malheureusement, le père et mes parents se coalisaient contre moi pour me détruire. Enfin, il y a eu un détournement psychologique des enfants à mon égard. Donc, j'étais constamment jugée, etc. Et comme le père a vu jouer les Pères Noël à mes dépens, plus tard, ils sont allés vivre chez le père. Bon. J'avais refait ma vie et j'ai eu un autre enfant qui maintenant est grand, il a 28 ans. Les deux aînés ont 39 et 42 ans. Hein. Oui. Et on leur a tellement dit que, en ce qui concerne les deux aînés, on leur disait que j'étais faux folle. On vous a discrédité. Oui, tout à fait, mais c'était sans arrêt. C'était sans arrêt. Et on leur a même dit que leur mère était indigne. Bon. À quel moment ont-ils été élevés par leur père? Enfin, vous ne les avez plus vus à partir de quel moment? Ah, ce n'est pas que je gardais quand même des relations. Vous continuiez à les voir? Ben oui, je continue à les voir. Ils ont été vivre avec leur père à l'âge de 9 et 12 ans. D'accord. Bon, entre-temps, moi, j'avais refait ma vie, mais je les voyais. Le père était installé à côté de moi. Et puis, ça a toujours été... On leur a dit que j'étais une mère indigne, que je les avais abandonnés, ce qui n'était pas du tout le cas. D'ailleurs, lorsque j'ai réussi un concours dans la fonction publique, mon premier poste était à Paris. Et j'ai refusé ce poste pour ne pas les éloigner de leur père, ce qui m'a coûté 10 ans de cotisation, qui me manque maintenant que je suis à la retraite. Et pour pouvoir les élever, alors ma mère les a eus tant que je n'ai pas eu de formation professionnelle. Donc je n'avais aucun moment à moi, aucune vacances. Je travaillais le dimanche, tous les jours fériés dans des restaurants. Le reste de la semaine, c'était des locaux, c'était des particuliers. Enfin, ça a été 10 ans de galère en attendant mon premier poste à Nice parce que j'avais refusé le premier emploi à Paris. Et où en êtes-vous aujourd'hui alors dans ces relations, puisqu'on comprend que vous avez été dénigrée par votre premier mari, par sa famille. Est-ce que ça joue dans vos relations aujourd'hui avec vos fils? Ah ben oui, parce que ils ont gardé, j'ai essayé quand ils ont été adultes, ils avaient plus d'une vingtaine d'années, leur expliquer ce qui s'était passé. Et ils ont gardé une certaine rancune. Ils ont préféré jouer les poils de carotte. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça n'a absolument pas rien joué. Ça n'a absolument pas joué l'un et l'autre. Les petites attentions que j'avais pour eux, les petits cadeaux, etc., ce n'était pas récepté. Comme quelque chose de normal, alors que j'ai eu une vie extrêmement difficile. Bon, le troisième, ça a été ma revanche, parce que tout le monde m'en fait des compliments. C'est un garçon extrêmement fiable, très sérieux, qui va faire sa thèse maintenant en physique, qui a fait de brillantes études, et que j'ai élevé seule parce que je me suis aussi séparée du père. Avec lequel j'ai gardé de très bonnes relations d'ailleurs. Hein. Bon,
Et tout le monde me fait des compliments sur ce fils. Et à cause de cette situation, je suis encore en thérapie depuis plus de 25 ans. Enfin, je rivalise avec Woody Allen sans avoir le talent. Mais vous ne manquez pas d'humour pour autant. Oui, c'est bon. Qui sait, vous allez peut-être écrire, on ne sait pas, hein. Il peut en émerger quelque chose. Bon, toujours est-il que le cadet avait disparu, c'est là que j'avais eu recours à vous. Oui. Il y a 2 ans, et il a repris contact après 12 ans de rupture totale. Oui, oui. Sans que je sache pourquoi. Un beau jour, il a disparu, il a rompu le contact. J'ai jamais su pourquoi. Il y a eu aucun trace, il n'y a rien eu de spécial. Ni même avec son petit frère, le petit dernier. Hier. Et là, il me dit, maman, c'est formidable, tu te rappelles que tu as un fils qui s'appelle Olivier. J'ai dit, ben, je suis ravie de savoir que mon fils qui s'appelle Olivier se souvient que j'ai une mère. Bon, tu vas voir, ça va être formidable, je vais me marier, maman. Bon, c'est là que je vous avais appelé il y a 2 ans à peu près. Mmh, mmh. Et là, il y a eu le grand mariage. Il y a eu le grand mariage dans un établissement tout à fait prestigieux, un château. Un château entouré de vignobles sur une colline de Nice, hein, 200 personnes. Mmh. Il y avait quand même une chose qui m'avait un petit peu contrariée, très tape à l'œil. Alors sa femme, un véritable canon, une fille magnifique, un top modèle. Mmh. Hein. Mmh. Bon, et elle est extrêmement affectueuse avec moi. Mmh. On se voit de temps en temps, ma belle-fille se montre très affectueuse. Jusqu'au jour où les relations s'espacent. Et il faut dire que le cadet, devant tout le monde, m'avait dit, ma petite maman, tu verras, je t'amènerai au restaurant. Je n'en demandais pas tant. Moi, je demandais simplement qu'il vienne prendre un café à la maison. Oui. Savoir ce qu'il avait fait pendant 12 ans, ce qu'il était devenu. Enfin, bref, je ne m'inquiète pas pour lui. Hein, bon. Et puis, il a à nouveau rompu le contact. Je lui ai demandé, 1 an après, donc nous avons fêté les 2 anniversaires des 2 aînés, hein, chez moi. J'étais heureuse, je voulais construire une famille qui n'avait jamais existé, parce que jusque-là, ça ressemblait à la famille des Atrides. Hein. Donc, je me disais, enfin, et puis mon second fils m'avait à nouveau me faisait espérer que je comptais un peu dans sa vie. Et puis il a rompu le contact. Bien. Alors j'ai compris que bon, il avait besoin juste de moi pour le mariage, pour le décorum, quoi. C'est tout. Et puis je me rends compte que bon, il gagne très bien sa vie. Bon, il fait partie de la petite jet set financière de la côte. Alors, moi, là-dedans, c'est une erreur de casting, un peu la mamie Nova, l'ancienne ML, pas l'ancienne féministe, hein, bon, c'est l'erreur de casting. Bon, j'ai eu beaucoup de mal. Maintenant, parallèlement à ça, il y a mon aîné. Alors, lui, c'est un caractériel. Il a 2 petites filles adorables. Ça allait très bien avec ma petite fille aînée. Et à partir de 8 ans, elle a commencé à devenir distante. Ça faisait 2-3 ans qu'elle ne m'embrassait plus. Insolente. Et là, les parents n'intervenaient pas, y compris quand elle était insolente en face de sa mère. Alors, sa mère est un peu névrosée. Oui, mais... Elle est étrangère, moi j'ai tout fait pour l'accueillir, hein, je sais pas. Et en ce qui... Alors, en tant que grand-mère, il y en a une deuxième qui est adorable aussi, qui a 5 ans, qui a 4 ans maintenant. Et un beau jour,
l'aînée se montre très, elle a 11 ans, elle se montre très insolente envers moi, elle me dit carrément, on se dispute, elle me dit, tu la fermes. Et elle téléphone à sa mère en russe, elle prend son portable, moi comme j'ai des origines slaves, il y a quelques mots qui me sont revenus, elle tape du pied dans la rue, et elle dit, maman, babouchka est surexcitée, insupportable, etc., elle fait du scandale dans la rue, alors que c'était elle qui le faisait, enfin bref. Le soir, le père me téléphone en disant, voilà, on ne cautionne pas son attitude, mais on n'intervient pas. Ah, j'ai dit, écoute, qui ne dit mot consent. Alors, il faut vous dire une chose, c'est que jusque-là, pendant 2 ans, j'ai eu les enfants pour les petites vacances. Je les ai amenés dans tous les hôpitaux de la ville à chaque fois, les urgences, l'Archer, l'Enval, enfin bref. Mais tout ça, je me dis, Élodie, puisque vous pouvez en parler dans votre thérapie de ces liens. Enfin, j'imagine que vous. Ben oui, mais alors justement, le problème, c'est que bon, mon psy les a connus quand ils étaient jeunes. Oui. Il est bien placé pour le voir évoluer. Il faut que vous soyez, vous fassiez à l'idée qu'ils sont ils ont des troubles de la personnalité. Voilà. Tous les deux. Chacun dans un genre différent. Bon, mais je veux dire, c'est absolument affreux. Donc, moi, j'ai jamais refusé de m'occuper des enfants. À la moindre occasion, va chercher l'aîné, elle est malade. Non, mais finalement, ce que j'entends, Élodie, c'est que vous dites au fond, bon, il y a eu une histoire compliquée familialement. Ça a été, il y a eu beaucoup, comme malheureusement parfois dans les séparations, un travail de sape, hein, comme on dit familièrement, de la part de votre ex-mari, de sa famille ou. Ah non, pas de sa famille. Sa famille, elle n'était pas là. De lui et de mes parents. Et de vos parents, qui eux-mêmes pourtant étaient, qui eux-mêmes ont été très maltraitants à votre égard. Bon, néanmoins, il n'y a pas une rupture de lien avec vos enfants. Il y a des relations compliquées, parfois tendues, avec, ça se répercute parfois dans les relations avec vos petits-enfants. Mais vous n'êtes pas en rupture. Ah oui, mais alors là. Là justement il s'est passé quelque chose de d'assez grave, c'est que le petit dernier il emmène ses deux nièces se balader, et comme je devais prendre les enfants quelques jours après, les amener à nouveau dans des visites médicales et tout ça, je parle de visites médicales mais il y a aussi des loisirs, hein, ça c'est autre chose. Bon. Et il me dit, écoute, je vais les prendre et puis il vaut mieux que tu viennes pas, comme ça les relations seront apaisées, je vais parler à l'aîné. Je lui dis, d'accord, tu as tout à fait raison. Et là, il commence à lui dire, tu sais, tu n'es pas correcte avec mamie, je te signale que mamie, c'est ma mère. Et je veux c'est bien. Oui. Il y a parlé fermement. Oui. La gosse. Elle commence à tourner en mayonnaise. Oui. Non, mais de manière très, très violente. Oui. Hein. Et ensuite, il ramène toutes les deux à la maison. Mon fils rentre le soir. Nous avons un coup de fil de la maman. Et elle dit, tu as dit à ma fille que j'étais folle. En réalité, je suis pas folle. Je suis malheureuse avec ton frère depuis 11 ans. Bon, ne rentrez pas trop dans ces histoires et dans ces histoires de couple. Moi, ce que j'entends, c'est que votre fils, à ce moment-là, quand il a vu sa fille mal vous parler, il a très bien réagi. Il a repris les choses en disant... Tu n'as pas à manquer de respect à ta grand-mère. Oui, mais alors justement. Non, mais ça veut dire que. Alors les parents. Non, mais écoute, Élodie, voyez aussi l'aspect constructif quand même des choses. Oui, non, mais attendez. Non, mais on va pas pouvoir développer point par point, d'autant que vous avez un lieu, Élodie, contrairement à certaines personnes qui vont appeler et qui sont en attente là au standard et qui n'ont pas cette possibilité là, d'avoir un espace comme ça de thérapie. Donc on ne va pas pouvoir développer.
Brigitte envoie un SMS en disant, est-ce que vous avez expliqué à vos enfants l'histoire de votre vie et au fond combien vous les aimez et combien vous souffrez, et aussi au fond votre parcours personnel qui explique beaucoup de choses de votre vie en tant qu'enfant. Ils sont autistes et ils n'en tiennent pas compte. Voilà, et je l'ai fait. Maintenant, très rapidement, j'ai vu la dernière, quand mon fils est allé voir, est allé s'expliquer, il a été mis à la porte directement. Par qui ? Bon, le temps passe. Par qui il a été mis à la porte ? Comment ? Il a été mis à la porte par qui ? Par son frère aîné. Ouais. Il a accusé de l'avoir traité de con, c'est absolument faux, d'avoir traité sa mère de folle. C'est la gosse qui a inventé ça. Bon, d'une part. Bon. Parce qu'elle est en état fusionnel avec ses parents, et quand ses parents devaient nous dénigrer, elle s'est mise de leur côté. Bon. Tout. Voilà. Moi, j'ai été voir la petite à l'école une fois. Je suis retournée la voir une deuxième fois vers la sortie, à la récréation. Et là, l'institutrice me dit, madame, je regrette, mais votre fils a interdit que vous approchiez la petite. Du coup, je vais voir une médiatrice comme conciliatrice, plus exactement, pas du tout dans un truc de justice. Hein. Oui, oui. Bon. Et là, elle téléphone devant, j'étais avec le petit dernier, elle téléphone à mon fils aîné, et là, j'ai entendu des horreurs. Mais avec un cynisme, une apparence cohérente, d'abord j'étais responsable, il m'accuse d'être responsable de ses difficultés conjugales, il m'accuse d'être responsable des troubles de sa fille qui se fait soigner, enfin je suis responsable de tout. Et des horaires et une haine que il est en souffrance. J'en suis encore malade. Et quand j'ai voulu et quand à un moment donné je l'ai rencontré, parce qu'il ne sait pas qu'on a enregistré sa conversation par le portable, il m'a dit, ben si tu veux voir les enfants, tu ne téléphones pas chez moi. Vous voyez, il établit un cordon sanitaire. Tu ne téléphones pas, tu m'appelles uniquement sur mon portable. Oui. Et moi, je suis tellement encore tétanisée par ce que j'appellerais des saloperies qui sont absolument mensongères, surtout ce qu'il a pu raconter à une inconnue, que j'ai l'impression qu'il veut se servir des petites pour me mettre la tête sous l'eau. Et ça réveille des traumatismes. Bon, voilà où je voulais en venir. J'ai fini. Excusez-moi d'avoir été longue. Et c'est surtout là-dessus. Je n'ose même pas l'appeler parce que rien que le... Non, si vous êtes aussi bouleversée, là pour le moment, ça ne sert à rien de l'appeler. Il faut que vous en parliez déjà dans l'espace de votre thérapie, que vous vous apaisiez un peu. Et lui-même doit être en grande souffrance, et ça doit réveiller certainement ce qui se passe avec ses enfants. Il vous parle de difficultés conjugales, il y a des problèmes, semble-t-il, avec une de ses filles, dans le comportement d'une de ses filles, la fusion avec la mère. Ça doit réveiller lui-même des blessures d'enfant. Mais je pense qu'effectivement, dans la mesure où vous êtes vous-même très bouleversée, pour le moment, ça ne sert à rien de l'appeler. Il vaut mieux que vous vous apaisiez, que vous en parliez. Oui, mais je vois pas les petites, quoi. C'est ça. Ben, écoutez, pour le moment, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'arranger. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'arranger. Mais il faut déjà que vous vous apaisiez un petit peu. Et lui, est certainement dans une très grande souffrance pour avoir été aussi agressif à votre égard. Je crois que c'est ce qu'il faut entendre. Je n'ai jamais pu lui parler. Oui. Il ne faisait pas attention à ce que je lui disais. Oui, mais il y a une souffrance derrière, ça. C'est aussi ce qu'il faut entendre, quand même, Élodie. Oui, mais il ne veut pas me parler, alors... Oui, parce qu'il vous en veut. Il est agressif. Il a exprimé des choses sur un mode violent. Moi, j'ai fait
fait des dépressions nerveuses. Oui, oui, mais ça, ça je n'en doute pas. Mais il y a de la souffrance de part et d'autre. Donc, pour le moment, vous travaillez tout ça dans, dans l'espace de votre thérapie. Et pour le moment, laissez-le un peu de son côté, s'apaiser également. Ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture de lien. Bon, il y a, il est en difficulté dans son couple, c'est ce qu'il a laissé entendre. Donc, il est fragilisé par ça. Très bien dans son couple. Oui, je dirais que maintenant que je me suis éloignée, sa femme, elle est venue pleurer chez moi. Bon, je ne rentrez pas trop, ne prenez pas trop parti là-dedans. Non, non, mais je n'ai jamais pris parti. Je lui ai permis de... De parler. Et maintenant, quand elle me croise dans la rue, elle est raide comme la justice. Oui. Ne rentrez pas trop. Attendez, les choses peuvent. Regardez ce qui s'était passé à un moment avec votre fils que vous n'aviez pas vu malheureusement pendant plusieurs années, et il vous a rappelé pour vous inviter à son mariage et vous avez renoué des relations. Donc, vous savez, vous avez une histoire familiale les uns et les autres assez compliquée, et parfois dans des familles où il y a des schémas de vie plus classiques, il y a aussi des tensions. Donc, il y a des manques. Qu'il y a des choses comme ça qui ressurgissent, et souvent à travers les enfants, parce que à travers ces enfants on revit des expériences, des traumatismes que l'on a pu vivre soi-même à cette période-là de la vie. Bon courage en tout cas. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Des messages qui arrivent au 72121 code de nuit au sujet du témoignage d'Élodie. Jean-Marie dit: Élodie, laissez toutes ces accusations à votre égard de côté, continuez votre thérapie et un jour tout va rentrer dans l'ordre. Annie dit: il y a souvent des histoires avec les enfants, ça va, ça vient, et de toute façon les mères ont toujours tort, mettez-vous à distance et attendez. Et puis André dit: je pense que c'est toute l'enfance d'Élodie qui refait surface aujourd'hui. On accueille maintenant Yann. Bonsoir Yann. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous avez 25 ans ? 28. 28. Ah, on vous a rajeuni. 28. À votre âge, on peut le dire encore. Ouais. Et donc vous êtes resté avec une jeune femme pendant... Enfin, vous avez été amoureux d'elle pendant 6 ans. Non, on a été voilà. Je suis amoureux d'elle depuis. Enfin, ça s'est terminé il y a 6 ans. On est resté ensemble un an. Et donc depuis que c'est fini, donc depuis ces 6 dernières années, c'est difficile puisque je n'arrive pas à l'oublier. Malgré tout ce que je peux faire, c'est passé par des thérapies. J'ai fait 2 thérapies dans les 6 dernières années. J'ai un petit peu tout essayé, c'est-à-dire me plonger encore perdu dans le travail, différentes activités comme le sport, la musique, les sorties, les amis, la famille, enfin tout ce qui était possible. Et au début de la rupture, je pensais que ça ne durerait que quelques mois, peut-être un an au maximum. Et les années sont passées. 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis ça fait 6 ans quasiment jour pour jour, et j'arrive pas à sortir de cette impasse qui m'amène à avoir des idées très noires dans ma vie. Je pense à elle de manière quotidienne. Depuis 6 ans, vous êtes dans une souffrance morale comme ça. Ah oui, 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 oui. Oui, j'ai l'impression que,
que ça fait 6 ans. Donc quand on en a 28, ça fait quand même une... C'est très long, oui. Une sacrée partie de ma vie. Et j'ai malheureusement pas l'impression que ça s'atténue au fur et à mesure des années. J'ai l'impression que qu'aujourd'hui je souffre autant que qu'hier. Enfin, que qu'hier. J'ai l'impression que la rupture, je souffre autant. Oui, ça ne s'est pas atténué, l'intensité de la douleur. Normalement, avec le temps, il y a quelque chose qui s'atténue dans la douleur, dans le manque. Voilà, je me disais, comme la chanson, avec le temps va, tout s'en va, et dans mon cas, non. Alors peut-être que dans de nombreuses années, peut-être que ça ne sera qu'un... Non, là, il y a quelque chose qui reste cristallisé. Hein. Oui. Vous dites que vous avez rencontré des spécialistes, une thérapie, enfin... Oui, deux fois. Deux fois, c'est-à-dire... Oui, pardon ? Deux fois, c'est-à-dire, je vous entends pas très bien. Ah d'accord. Deux fois, c'est-à-dire. J'ai commencé une première thérapie dès que ça s'est terminé, parce que je sentais que ça allait très très mal. Oui. Et ensuite j'ai arrêté un instant j'ai arrêté quelques années puisque. Je ne voyais pas d'amélioration et puis j'ai repris une thérapie il y a 2 ans. Oui. Combien de temps ça a duré en tout ? Combien de temps êtes-vous resté en thérapie ? La première fois, vous êtes resté combien de temps ? Alors la première fois, je suis resté un an, à peu près un an. Thérapie d'un an, oui. Avec voilà. Qui ? Avec un psychiatre. D'accord. Que vous voyez à quel rythme ? C'était le problème. Je le voyais pas à mon goût assez rapidement. Des fois c'était une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. C'était un petit peu lui qui décidait. Mmh. Là j'ai un nouveau psychiatre. Là c'est mieux organisé. Oui. On se voit toutes les semaines. Oui. Donc c'est déjà facile. Mais au tout début quand j'avais décidé cette thérapie, enfin cette deuxième thérapie, mmh. je m'étais donné entre guillemets à peu près 2 ans. Je m'étais dit 2 ans ça devrait être pas suffisant bien sûr. Pour tout résoudre, mais je me disais qu'au bout de 2 ans ça devrait m'aider, je devrais y voir plus clair, et donc là on arrive aux 2 ans et je ne vois personnellement aucun changement. Bon, j'envisage quand même de continuer avec cette là parce que ça peut être plus ou moins long selon les personnes. C'était votre première histoire d'amour ? Ça a été la première fois que j'étais amoureux, sincèrement amoureux. J'ai eu des petites histoires auparavant. Mmh. Donc la première fois vraiment importante. Oui, tout à fait. Pourquoi vous êtes séparés ? Pour une question culturelle et religieuse. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que elle était musulmane pratiquante. Mmh. Moi je suis rien de particulier. Ça ne posait aucun problème que ce soit de son côté et du mien, nos différences culturelles, mais ça posait un problème vis-à-vis de sa famille à elle, et donc on a fait ce qu'on pouvait pour que ça marche. On avait des projets d'avenir. Tout allait très très bien jusqu'au moment où ses parents se sont aperçus qu'elle comptait quelqu'un qui n'était pas de sa culture et de sa religion. Ils voulaient pour leur fille quelqu'un qui soit musulman pratiquant. Voilà.
Et donc, au début, ça a été difficile, et puis au bout d'un, enfin, ça a été de plus en plus difficile, puisque bon, les parents l'empêchaient de sortir, etc. Donc forcément, c'était difficile, et à la fin, impossible de se voir. Mmh. Et donc, on a discuté là-dessus. J'ai demandé s'il envisageait une séparation. Elle m'a dit que oui pour ces raisons-là. Et chose que je peux comprendre parce que on a qu'une seule famille et vraiment. Pardon? Vraiment? Vous comprenez? Je comprends sa réaction à elle, un petit peu moins celle des parents, parce que j'aurais aimé c'est qu'il me laisse au moins une chance, c'est-à-dire qu'on puisse se rencontrer et qu'il se rende compte que même si j'étais différent de ce qu'ils espéraient pour leur fille, que je pouvais être quelqu'un qui pouvait la rendre heureuse, et je pense que c'est le principal. Je pense que c'est ce que les parents veulent pour leurs enfants, que rencontrent quelqu'un qui les rend heureux, peu importe la culture. Vous avez des nouvelles de cette jeune femme? Non. Il y a 6 ans, enfin, on s'est séparés. Donc il y a un petit peu plus de 6 ans, on a continué à rester en contact par téléphone, et au bout d'un moment, deux trois mois après, parce que c'était quand même difficile d'être officiellement séparé, mais de quand même continuer à avoir à se parler. Et au bout d'un moment, elle m'a demandé qu'on arrête tout contact. Et donc, on va marquer une pause, Yann, hein, avant le journal de minuit, et on va continuer cet échange après. Ne raccrochez pas. Ensemble et en direct, bien sûr, sur Europe 1, jusqu'à 1h. La nuit est à vous, au 39-21. Vous pouvez nous appeler pour nous parler de vous, en toute liberté. Et lorsqu'un témoignage vous touche, vous pouvez nous en faire part à ce même numéro, ou également nous écrire sur le site europe1.fr ou par SMS au 7-21-21. Code nuit. Beaucoup de réactions déjà pour vous, Yann, qui arrive hein, par SMS. Oui. Il y a Amanda de Corse qui dit « J'ai souffert d'une rupture en 2003 et ceci jusqu'en 2006. Le fait de parler trop de cet homme avec mon entourage m'empêchait de l'oublier. » Il y a Ninon qui dit « Il y a un vide en vous, Yann. Attendre des résultats de thérapie en 2 ans montre un déplacement vers l'extérieur du centre. » De vos sensations, remplissez ce vide. Il y a Aïcha qui dit « J'ai vécu la même histoire. Au bout de 3 ans, on m'a posé un ultimatum. J'ai choisi mes parents. Aujourd'hui, je suis mariée et j'ai oublié cet homme avec le temps. » Brigitte dit « Son amour à elle aurait pu être plus fort que les exigences de ses parents. Elle aurait pu parier sur la durée pour que ceci s'habitue. » Annie dit « Vous êtes triste et pourtant vous dites avoir compris la décision et les raisons de la rupture. » Flocon dit « Il faudrait aller aux racines des origines comme ça de votre rupture pour vous aider à faire le deuil de votre relation amoureuse. N'y incluez pas votre belle famille. Ça court-circuite finalement la façon de vous réapproprier cette histoire. » C'est en même temps compliqué parce que j'allais dire justement ce qui est difficile, c'est que vous ne vous êtes pas quitté faute de sentiments, parce qu'il n'y avait plus d'amour, mais parce qu'il y avait un empêchement familial. Oui, c'est ça, oui. Et je pense que ça joue
entre autres choses, hein, sur votre oui. difficulté à faire le deuil de cette relation oui. amoureuse. Parce que à un moment, si cette jeune femme, peut-être, vous avait dit qu'elle n'était plus amoureuse, qu'elle vous avait trompé, vous auriez pu lui en vouloir. Vous auriez pu, enfin, ça aide à un moment oui, d'être en ouais. colère. Ça ouais. aide. C'est une étape dans le processus ouais. de deuil, hein, d'en oui. vouloir à l'autre. Or là, le fait de comprendre au fond sa décision, parce que vous étiez très jeunes tous les deux, vous aviez quoi, 21-22 ans. 22 ans, oui. Et de dire à ce moment-là, la famille a encore une importance très forte, hein, on est encore très lié à sa famille, et de dire on n'a qu'une famille, c'est ce que vous dites, oui. hein, encore aujourd'hui, oui. de dire comme si elle était dans une situation de contrainte affective, tout du moins, comme si donc vous ne pouviez pas vraiment lui en vouloir. Ça, je pense que ça a un peu court-circuité le travail de deuil. Oui. Et sachant que vous ne vous êtes pas quitté parce qu'il n'y avait plus d'amour, ça mais parce c'est... qu'il y avait un obstacle qui était un obstacle familial. Donc je pense que c'est ce que dit Annie d'ailleurs, qui dit vous paraissez passif et la colère aurait pu être salvatrice. Je pense que ça a été un élément qui a manqué. Vous lui en avez jamais voulu au fond. Non, pas du tout. Non, parce que comme c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire ce n'est pas comme si on s'était séparé parce que on ne s'entendait pas ou enfin qu'on s'entendait plus ou qu'il n'y avait plus d'amour envers l'autre. Là je pense que si ça avait été ce cas-là, je pense que maintenant et depuis très longtemps, je serais passé à autre chose. Mais c'est justement le fait qu'il y ait une tierce personne qui soit intervenue dans notre histoire, qui se passait extrêmement bien, puisque bon, je le répète, on parlait d'avenir. D'avenir, et oui. Ah, oui. Et c'est ça qui a fait. Et oui, vous restez dans cette nostalgie de ce qui aurait pu être. Voilà, exactement. Hein? Voilà, exactement. Ouais. Et ça, c'est très douloureux. Ouais. Alors, il y a d'ailleurs un témoignage de quelqu'un, d'une jeune femme qui dit le témoignage de Yann me bouleverse, je suis maghrébine. Oui. J'ai aujourd'hui 37 ans, mais lorsque j'avais 20 ans, j'ai été très amoureuse d'un jeune homme français. Oui. Et c'est un SMS qui arrive. Hein. Oui. Ce serait intéressant d'ailleurs d'entendre cette jeune femme. Ça serait bien qu'elle nous appelle au 39-21. Attendez, parce qu'au fur et à mesure que je les lis, parfois la page de l'écran saute. Donc il faut que je le retrouve. Et donc elle dit voilà, j'avais 20 ans, j'étais très amoureuse d'un Français, mais ma famille me l'a interdit. Et oui. j'ai pas la suite du message parce que c'est limité à 160 caractères. Si vous m'entendez, ça serait bien de vous entendre. Vous pouvez nous appeler au 39-21. Ça serait intéressant d'avoir votre histoire. Il y a Doudou qui dit quand j'entends ce jeune homme, j'ai l'impression de vivre mon histoire. Les traditions sont souvent destructrices dans ce cas-là. Et puis il y a un témoin, il y a le subversif aussi qui lui revient sur un autre plan plus psychanalytique qui dit il faudrait peut-être vous plonger à corps perdu dans votre rapport à votre mère parce que effectivement il y a toujours dans ces histoires de séparation mal vécue, ce lien primitif, notamment pour les hommes, dans ce premier objet d'amour perdu, qui est la mère. Et oui. dans toute séparation, et surtout quand on est si jeune, mais même après, hein, l'âge finalement, vous savez, quand on fait une thérapie, on est tous, on travaille toujours sur l'enfance. Oui. Et ça renvoie toujours aux séparations qui ont été mal vécues tout au long de notre parcours. Oui. Et qui sont souvent qui ont été refoulées, c'est-à-dire qui ont été dont on n'a plus connaissance, dont on n'a plus conscience, mais qui à l'occasion d'une rupture dans notre vie et notamment dans notre vie amoureuse refont surface, enfin, c'est-à-dire cette rupture dans la vie amoureuse vient entrer en collusion, si vous voulez, avec ces séparations qui n'ont pas été bien digérées. Oui. Alors, j'imagine que dans votre travail de thérapie, ça a pu être un peu évoqué avec les thérapeutes que vous avez eus. Oui, tout à fait, oui.
Oui. Vous avez un peu travaillé là-dessus. Il y a eu, comme ça, ça vous évoque quelque chose. C'est des histoires de peu de séparation, de ce qui a pu être vécu comme un abandon, même si vous n'avez pas connu de fait d'abandon réel, mais tout ce qui a pu être vécu comme un abandon, ça peut être parfois la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, ça peut être l'entrée à l'école, à la crèche, ça peut être, vous voyez, enfin, ça peut être des choses qui parcourent normal d'un enfant, mais qui peuvent être mal vécues. Oui. Ça peut être le sevrage, ça peut être... Dans mon cas, ça a été d'un côté mon père à ma naissance est parti parce que il ne me désirait pas et du côté de ma mère, elle s'est peu occupée de moi parce que c'était le travail avant tout. Et donc effectivement, j'étais très solitaire pendant toute mon enfance, mon adolescence, et ensuite cette personne est arrivée. D'accord. Oui, je comprends. Donc son amour était particulièrement précieux. Oui, tout à fait. L'amour, de toute façon, de l'autre, nous est à tous très précieux. Oui. Mais quand on a un côté peut-être, je vais dire, abandonnique. Oui. Hein, c'est-à-dire au sens de, entre d'un côté votre père qui est parti à votre naissance, dites-vous. Oui. Enfin, avant, pendant la... Pendant la grossesse. La grossesse, oui. Il n'est pas revenu. Non. Non. Et votre mère qui travaillait beaucoup, qui était peu présente. Oui. Donc vous décrivez une enfance, une adolescence solitaire, et puis vous dites à un moment, cette personne, hein, c'est important la façon dont vous racontez aussi, vous dites à un moment, cette personne est arrivée dans votre vie, comme finalement, là, l'horizon s'ouvrait. Oui. Oui, quand je dis voilà, elle est arrivée parce que auparavant, donc quand elle est arrivée, donc parce que on a été amis avant que ça aille un petit peu plus loin, donc c'était vers la vingtaine d'années, donc même ma vingtaine d'années, donc j'avais déjà eu des expériences, mais qui étaient avec d'autres filles, mais qui étaient vraiment catastrophiques. Je m'entendais, je trouvais trop de défauts envers cette personne-là. Puis bon, elle devait certainement en trouver à moi aussi, hein, parce que je ne suis pas parfait, hein, comme tout le monde. Mm-hmm. Mais quand j'ai rencontré cette personne-là, elle correspondait à tout ce que j'attendais chez quelqu'un. Et je crois que c'est une des nombreuses choses qui fait que j'arrive pas à l'oublier, c'est-à-dire que elle a pris une telle importance dans ma vie que maintenant quand je vois une autre personne, une autre fille, une autre femme, elle a pas ses qualités. Alors on me dit souvent que je fais trop de comparaisons. Alors ce que j'évite de faire absolument, parce que je sais que c'est absolument pas la solution, la meilleure des solutions, mais il y a souvent et très immédiatement un détail, mais enfin je dis un détail, quand on dit un détail c'est quelque chose d'insignifiant, mais c'est quelque chose qui me gêne et qui fait que je ne peux pas envisager une relation une relation tout court, que ce soit en moyen terme, court terme, moyen terme ou long terme, alors qu'avec elle ça a été d'une évidence quasi immédiate, en fait. Oui, c'est-à-dire je pense aussi que son pas par l'amour qu'elle vous a apporté, qu'elle vous a donné, elle vous a certainement beaucoup apaisé, beaucoup tranquillisé. Ah oui, tout à fait. Là, vous avez parfaitement raison. Vous avez mis
le dent dans le mille, elle m'a vraiment apaisé, elle a donné un sens à ma vie, puisque donc là les idées noires que j'ai depuis notre séparation, ce sont également des idées noires que j'avais depuis l'adolescence, très tôt dans l'adolescence, voilà, pas de père, une mère quasi absente, je voyais pas trop le sens de la vie, et en la rencontrant, le fait de penser à l'avenir, et surtout de voir dans la même direction et d'avoir les mêmes envies, en tant que couple et futurs parents. Oui, vous n'étiez plus seul tout d'un coup. Voilà. Ça, ce sentiment de solitude que vous avez depuis toujours, finalement, hein. Voilà. Là, il y avait quelqu'un avec vous. Voilà. Et en partant, vous avez aussi perdu cela. Elle a amené ça et ce sentiment de sécurité aussi qu'elle vous procurait. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi tout ce qu'elle incarne et tout ce qu'elle représente qui vous manque tant. Mais quand j'entends quand même vos idées, vous parlez de vos idées sombres, vos idées suicidaires qui étaient présentes dès l'adolescence, vous en parlez à votre psychiatre, parce que ça traduit quand même un signe de dépression. Ah oui. Vous êtes suivi pour ça, vous avez un traitement médicamenteux? Oui. D'accord. Qui à mon goût. Qui fonctionne pas bien, qui marche pas bien. Non. À mon avis. Vous avez toujours des idées suicidaires, même avec un traitement. Ah, c'est quotidien. Ça va pas, ça. Ah non, ça ne va vraiment pas du tout. C'est pour ça que j'ai énormément de mal à en parler de mon état, parce que là, comme vous parliez de tout à l'heure de messages que vous receviez, je ne sais plus quelle personne a dit ça, mais je n'en parle pas, justement, en fait. Je ne veux surtout pas en parler à ma mère, à ma famille, à mes amis, parce que j'aurais l'impression de les embêter avec ceci. C'est également pour cette raison que j'ai commencé une thérapie, parce que je sais que là je peux tout dire. Oui, avec votre psy, vous lui parlez de vos idées suicidaires. Vous lui dites, hein. Oui, je ne cache rien. Parce que par rapport à votre traitement, il faut peut-être voir, parce que si ça veut dire que vous le traitement ne fait pas bien effet. Enfin, vous voyez, normalement ça montre que vous réagissez pas bien là au traitement qui est prescrit. Enfin, que vous réagissez pas bien. Je veux dire, c'est pas ce que je veux dire par là. Là, je parle en termes médical, hein, évidemment. C'est pas vous, votre personne. C'est sur un plan technique là. Hein. Parce que le traitement aurait pour but de peut-être être un peu plus sédatif, anxiolytique, et que vous n'ayez plus ces idées suicidaires, en tout cas. Oui. Ça serait la priorité, déjà. Ah oui, bien entendu. D'ailleurs, je demande que ça. Mais sur les deux dernières années, qui sont... Peut-être plus des anxiolytiques, finalement, où serait nécessaire que des antidépresseurs. Il y a de tout, hein. Il y a de tout. Il y a des somnifères, des anxiolytiques, antidépresseurs. Je dois avoir 4 ou 5 médicaments différents. Ben oui, mais ça marche pas bien. Mais ça ne marche pas bien. Mais votre psychiatre, que vous dit-il à ce sujet? Eh ben, en fait, sur les dernières années, on a essayé de multiples médicaments différents. Oui, et plusieurs molécules différentes. Ah oui, tout à fait. On a essayé. J'ai pas envie de dire qu'on a essayé tout ce qu'il y avait sur le tout ce qu'il y avait sur le marché, mais on a essayé différents médicaments à différentes doses, etc. Oui. Et ça ne me fait rien. J'ai toujours eu du mal à m'endormir, en particulier depuis que ça a été depuis que c'est terminé, problème d'insomnie. Dès le départ, un cachet suffisait pour m'endormir. Aujourd'hui, je peux avaler une plaquette entière. Il y a une accoutumance aux hypnotiques. Je pense que c'est ces 6 dernières années de. Mais je pense qu'il faudrait que vous soyez aussi un peu moins seul. C'est-à-dire que vous puissiez à vos amis, c'est pas forcément leur parler de vos idées suicidaires, mais que vous soyez entouré aussi. Affectueusement, vous voyez que vous essayez. Nino avait raison quand elle disait essayer de combler aussi un peu ce vide en vous, en ayant des relations affectives, des relations amicales, des relations sociales.
que vous trouviez un peu, pas forcément dans un, là, vous n'êtes pas prêt pour le moment dans une relation amoureuse, mais trouver du réconfort, un peu d'apaisement, de tendresse, de soutien dans des relations comme ça amicales. J'ai des relations amicales, mais je ne vois pas assez ces personnages, je ne les vois pas autant que j'aimerais les voir. Pourquoi? Dû entre autres au travail. Des fois l'éloignement aussi, puisque bon, moi j'ai 28 ans, je suis célibataire, mais eux, pendant ce temps-là, ils se mettent en couple, ils emménagent à la campagne, moi je suis en pleine ville, ils ont des enfants. Mais pas tous. À ma connaissance, parmi ceux que je connais, si. Ça ne vous aide pas non plus alors. Vous avez l'impression de rester. Pas vraiment, parce que c'est ce que j'aimerais, ce que j'aimerais connaître également. Mais ça viendra. Également. Ça viendra. Il faut vous donner un peu de temps. Vous donner le temps d'aller mieux. Oui. Et pour aller mieux, il y a évidemment votre thérapie, où il va vous falloir de vous donner du temps de, bon, pour aller mieux, mais aussi votre vie à côté, où il faut arriver à sortir de votre solitude. Oui. J'essaie d'en sortir, mais comme vous disiez, quand je vois mes amis leur parler de mes problèmes, mais si vous voulez pas leur avec des amis on peut parler de ces problèmes, Yann. Oui, mais il faut vous autoriser à ça. J'ai déjà essayé, mais ils n'arrivent pas à le comprendre parce qu'ils ne sont visiblement pas passés par là. Pour eux, quand je parle aux gens, c'est pour ça que j'essaye d'en parler le moins possible. C'est que quand je leur dis, ben voilà, ça fait 6 ans que c'est fini avec cette personne et je suis toujours autant amoureux comme au premier jour. Pour eux, c'est quelque chose d'inimaginable, c'est inconcevable. Mais compte tenu de votre histoire, c'est pas inimaginable. Parce que quand il y a des tendances chez vous, un peu d'abandon, il y a votre père qui a été absent, il y a votre mère qui finalement, pour d'autres raisons, s'est peu occupée de vous, et donc vous avez grandi un peu livré à vous-même. Oui, donc il y a une très grande solitude intérieure, et ça peut se dire. C'est-à-dire effectivement, tout le monde n'a pas la chance de grandir au sein d'une famille aimante. Voilà, ça peut se dire aussi avec des mots, ça. Et dire donc du coup, les amis, ça peut être aussi la famille que vous n'avez pas eue. Oui, mais je reviens. Mais voyez, il y a Ange Bleu qui dit quand j'ai un coup de blues, j'ai un ami qui me prend dans ses bras et m'apporte de la tendresse. Ouais. Ben, il faut essayer de combler ou peut-être de vous en faire d'autres d'ailleurs, mais d'avoir d'autres lieux aussi où vous parlerez différemment de lieu de votre thérapie, mais de faire en sorte que dans votre vie au quotidien, vous soyez aussi un peu moins seul. Oui. C'est important aussi pour aller mieux. Oui, bien sûr, c'est ce que j'essaie de faire. Qu'il n'y ait pas que l'espace de la thérapie. Comme je vous ai dit au début, j'ai vraiment essayé tout ce que je pouvais faire. Que vous puissiez prendre tous les espaces où vous avez un peu de douceur, comme dit Brigitte, un peu de tendresse. Oui. J'ai du mal à trouver cette tendresse. Comme je l'ai dit au début, j'ai tout fait pour m'occuper l'esprit, pour justement ne pas penser à elle. Après, donc il y a également bien sûr les amis, mais ils ne m'apportent pas la tendresse. Non, mais c'est une autre forme de tendresse, elle est importante. Je vais vous lire 2 mails et on va conclure là-dessus. Il y a Nadia qui dit « Je suis la personne du SMS ». Vous savez, cette jeune femme qui, à 20 ans, a été amoureuse d'un jeune homme donc français, et sa famille s'est opposée. Elle dit « Je suis trop timide pour vous appeler ». Ben, merci de nous avoir écrit, Nadia. Elle dit « Je vous disais que j'étais très amoureuse d'un jeune homme à 20 ans, lui aussi. Ma famille m'interdisait de le voir et à ce jour j'ai 37 ans et j'ai encore un énorme blocage avec les hommes. Je suis célibataire, j'ai envie d'aimer à nouveau, mais cet énorme blocage, le poids de la religion et des parents a été très lourd, un boulet que je porte encore à ce jour. Ma vie est très amère, malgré une famille aimante et une belle situation professionnelle. Je ne pouvais même pas consulter puisque je n'avais aucune raison d'être mal. » Si, Nadia. Le fait de ne pas pouvoir aimer librement, c'est une raison. Il a beaucoup de chance de pouvoir en parler, elle parle de vous, donc
Yann est jeune, il faut se dire que la plus belle chose qu'il puisse faire, c'est de faire sa vie. Et ce serait une réussite pour elle également. Je vous embrasse, beaucoup de courage, nous dit Nadia. Et puis il y a Florence qui dit « Le témoignage de Yann me rassure. Il m'arrive la même chose. Mon ex m'a quitté il y a 3 ans, je ne parviens pas à m'en remettre. C'était mon premier amour, nous avions fait des projets, tout se passait merveilleusement bien. Et du jour au lendemain, il m'a plus donné signe de vie. Le fait de ne plus l'avoir vu depuis m'a fait l'idéaliser et me fait souffrir chaque jour. » Ma psy m'a fait comprendre que ce n'était pas lui qui me manquait, mais la période de ma vie qu'il symbolise, ainsi que l'homme parfait qui s'est construit dans ma tête. D'accord. Et y a quelqu'un qui disait, c'est Brigitte qui dit, qui envoie un SMS en disant « Ne l'idéalisez-vous pas un peu. Une autre femme pourra aussi vous apporter du bonheur, de la douceur, si vous vous autorisez à y croire. » Et il y a Ilami qui dit « Essayez d'élargir votre cercle d'amis, plutôt des célibataires. » Brigitte qui dit « C'est vrai qu'un réseau amical adapté, être entouré de chaleur humaine, peut faire énormément de bien. » Et puis Jean-Marie qui dit « C'est inadmissible de nos jours qu'à cause des coutumes, des parents imposent à leurs enfants leur choix en les empêchant d'être heureux. Courage à vous. » D'accord. Accrochez-vous dans votre thérapie et puis essayez de développer autour tout ce qui peut être pour vous comme ça source de relations positives, constructives. Essayez d'en parler à vos amis, ceux où vous voyez où ils sont pas réceptifs, peut-être un peu trop, comme ça arrive, hein, nous tous parfois d'être un peu auto-centrés sur notre vie, pas forcément ouverts comme ça aux autres. Bon, vous laissez tomber vous, mais vous allez voir que vous allez trouver des gens qui seront réceptifs. Et cela, n'hésitez pas à leur parler, parce que vous savez, Yann, vous serez surpris de voir que il y a des personnes finalement vous attendriez d'elles ou avec qui vous dites là je pourrais parler, puis non, vous n'aurez pas l'écoute que vous attendez. Bon, ça ne veut pas dire que faut pas garder un lien avec elles, parce que vous pourrez partager d'autres choses, d'autres beaux moments avec elles. Et puis il y en a, finalement vous dites non, je vais pas pouvoir parler. Et puis vous allez découvrir finalement vous pouvez avoir une relation beaucoup plus intime que vous ne le pensez. Oui. Mais il faut parfois faire le premier pas. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est ce qui nous relie les uns aux autres aussi. Le moment où finalement, il y en a un qui ose dans la relation se montrer un peu faillible, un peu fragile. Oui. Vous voyez, quand il y en a un qui commence, on peut dire, moi j'y m'est arrivé ça. Et vous pouvez rencontrer à ce moment-là beaucoup de signes chaleureux et d'amitié. Oui, d'accord. Bon courage, Yann. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. Confidence à Caroline Dublanche au 39-21. 39-21. 34 centimes la minute. Et des messages qui arrivent pour Yann qui vous a touché. Pascal nous envoie un petit mail pour dire il est possible que votre rupture avec votre ami soit un élément déclencheur d'un mal-être et d'une souffrance beaucoup plus personnelle. Lorsque vous nous dites que vous aviez besoin de vous évader par le sport ou une autre activité pratiquée de façon intensive, cela revient à dire que vous avez besoin de vous évader de votre réalité, ce qui peut se comprendre bien sûr, mais je pense qu'il serait favorable, précieux pour vous d'approfondir ce besoin d'être ailleurs. Et bon, c'est ce que fait d'ailleurs Yann en thérapie. Et puis Nelly dit « Aucune femme ne vaut la peine de se mettre dans cet état. Vous êtes sensible et émotif et vous méritez d'être heureux avec une autre femme. Courage à vous. » Et puis il y a également Fatia qui nous a appelé, mais c'est dommage, elle voulait pas intervenir ce soir, qui a été très touchée par le témoignage de Yann. Fatia donc dit elle est d'origine maghrébine. Elle dit nous sommes 3 filles, 3 garçons, et que ses parents n'ont jamais été offusqués qu'ils se soient mariés tous depuis 30 ans avec des Français de souche. Elle dit il faudra un jour que ce tabou soit levé, et elle dit je suis vraiment très peinée pour ce jeune homme, et elle ajoute si j'avais une autre fille à marier, je serais très heureuse de la lui présenter, dit Fatia. Alors on accueille maintenant un mail encore de Bessédi qui dit « Votre témoignage est des plus émouvants, Yann, vous avez une sensibilité magnifique, choisissez-vous peut-être de nouveaux amis, un peu plus à l'écoute, bon courage, le bonheur est devant vous. » On accueille Michel, bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Bonsoir.
Merci de m'accueillir. Mais je vous en prie. Sur votre antenne. Surtout que mon problème peut paraître risible par rapport au problème de Yann. On n'est pas là pour rire des auditeurs. Enfin, si, rire de temps en temps, oui, et on ne s'en prive pas. Mais oui, pour rire aux dépens d'une personne, ça, non. Par rapport aux problèmes importants. Oui, mais qu'on rencontre dans la vie d'aujourd'hui. On relativise, vous savez, moi, j'aime pas trop essayer de dire il faut relativiser parce que ça ça résout pas la souffrance que l'on peut éprouver dans telle ou telle situation. Donc non, vous pouvez parler sans crainte donc, de quoi que ce soit. Donc comme je voulais expliquer dans mon mail, samedi, il y a 15 jours, je suis rentrée chez moi vers 23h et j'ai trouvé au bas de mon immeuble un petit chien, un bébé chien, et tout tremblotant. Et je l'ai bien sûr, sans collier, je l'ai emmené chez moi. Et j'ai déjà un chien et un chat. Et bon, j'ai bien compris que je ne pourrais pas le garder puisque je vis seule avec deux enfants. Et la vie n'est pas toujours facile et c'était une charge supplémentaire. Donc je l'ai ramené le lendemain chez un ami qui a bien voulu le prendre, mais il me l'a ramené deux jours après puisque c'était trop pour lui aussi. Et donc on était quasiment décidés à le garder, les enfants et moi. Hein. Je veux dire, il était très très attachant, c'était un petit bébé vraiment très très adorable. Et il n'avait pas de collier, il avait rien. Il n'avait pas de collier, il n'était pas tatoué. Il n'était pas pucé, pas tatoué. Non, rien, rien. Mais vraiment très, très attachant. Je sentais qu'il avait besoin d'amour et j'étais prête à lui donner. Et puis, donc on est parti faire une grande promenade parce que je me suis dit, il appartient peut-être à quelqu'un qui le cherche. Oui, dans le quartier, oui. Donc alors, je l'ai gardé une nuit, un jour, et puis je suis partie faire une grande promenade et effectivement j'ai rencontré quelqu'un, un petit garçon qui me dit, il est mignon. J'ai dit, mais tu le connais? Il a dit, oui, c'est le chien de mon grand-père. Alors j'ai dit, ben appelle-moi ta maman s'il te plaît. Puis elle est descendue et elle a dit, ah mais tu es là Rocky. J'ai dit, bon ben d'accord. J'ai dit, moi depuis samedi je l'ai chez moi et franchement est-ce que vous le voulez ce chien? Ah ben oui, 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 il est à nous, oui. Et je l'ai donné à contre-cœur parce que je voyais bien qu'il ne pouvait pas être heureux avec ces gens. Qu'est-ce qui vous faisait dire ça? La manière dont ils l'ont accueilli après quand même quelques jours d'absence. Oui, ils n'étaient pas spécialement, ils vous paraissaient pas spécialement inquiets. Non, pas du tout inquiets. Et puis d'ailleurs, le chien n'en leur a pas fait spécialement la fête. Ah oui. Et puis je leur ai donné à contre-cœur et je me suis dit, mon pauvre bébé, tu n'auras pas de chance. Oui. Donc c'était mercredi dernier et ensuite la vie a repris son cours normal. Oui. Et puis samedi après-midi j'ai décoré Noël, j'étais un peu contente. Oui. Et vers 9h du soir je sors avec mon chien, je vais faire sa promenade et je vais en direction de sa maison et c'était sur mon chemin souvent d'ailleurs. Oui. Et de loin, je l'ai déjà entendu pleurer, aboyer. Mon chien aussi l'a reconnu, il a dressé les oreilles. Oui. Et plus j'approchais de la maison, et plus il faisait nuit, je voyais qu'il était enfermé dans la cuisine, la fenêtre ouverte, dans le noir et la fenêtre ouverte. Et dans la pièce à côté, on voyait la lueur d'une télé allumée. Donc les gens étaient à côté tranquillement à regarder la télé. Le chien, il hurlait à la mort, il aboyait, il criait, il pleurait. Et d'un coup, moi je n'ai rien dit. Je me suis dit, pour moi, mon pauvre bébé, t'es pas gâté. D'un coup, il saute sur le rebord de la fenêtre. Et puis, j'ai continué doucement, je n'ai rien dit. Et il nous voyait arriver dans le noir et puis à mon avis il nous a reconnus. Alors il a commencé à se pencher et alors au lieu de ne rien dire, j'ai dit non Rocky, non. Et alors bien sûr il a reconnu ma voix. Et là il a commencé à pleurer, à vouloir sauter, il était heureux et tout. Et moi au lieu de rester sous la fenêtre à attendre qu'il tombe, je me suis dirigée vers les sonnettes pour sonner aux gens.
Et donc, il fallait contourner l'immeuble. Et donc, il ne m'a plus vue. Pour sonner, pourquoi? Pour dire que le chien était sur le bord de la fenêtre? Oui, pour les prévenir, pour leur dire que le chien était sur le bord de la fenêtre. Et voilà que j'entends un cri. Et il était tombé. Mmh. Et il était mort par terre. Alors je me dis que j'ai tué ce petit chien. Ah non, c'est pas vous qui l'avez tué. Je me sens fautive, je me déteste, je me hais. Je l'ai tué. Ah non, non, c'est pas vous qui l'avez tué, Michel. C'est... Mais je comprends que ça vous ait traumatisé, mais vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable du fait que la fenêtre ait été ouverte. Peut-être, oui, mais... J'aurais dû rester, puisqu'il m'a reconnue, je l'ai vue. Elle était à quel étage, cette fenêtre? Au premier. Et du premier, il s'est tué? Oui, c'était un petit, il était tout petit. C'était vrai, oui, c'est une petite trace. Il est tombé sur le trottoir, il est tombé sur... Ouais. Il n'est pas tombé. Oui, malheureusement, oui, il est tombé, oui. Mais rien eu à faire, je m'en veux parce que au lieu de rester en dessous... Vous avez assisté à ça, vous étiez dessous. Oui, et au lieu de rester en dessous et d'attendre qu'il tombe, parce que c'était prévisible quand même, parce que... Peut-on être aussi idiote? Et à mon avis, il a sauté pour quand il m'a plus vu. Vous voulez dire rester dessous et le rattraper? Voilà. Non, il n'aurait peut-être pas pu le rattraper, hein, vous savez. Je ne sais pas. Tous les soirs, en rentrant du travail, depuis samedi, je me mets en dessous de la fenêtre et j'observe, je regarde et je me demande pourquoi. Ah, vous rejouez la scène? Je ne me rejoue pas la scène, je me demande pourquoi. Pourquoi? Mais pourquoi je ne suis pas restée? Pourquoi je suis allée sonner? Parce que vous vouliez prévenir ses maîtres, que c'était pas pour que... Oui, mais lui, quand qu'il était sur le bord de la fenêtre. Je veux dire, il était tellement heureux, il était tellement... Bien sûr, bien sûr, oui, mais lui, évidemment, lui, c'est un chiot, même d'ailleurs, un chien adulte aurait pu le faire, évidemment, lui, bon, tout à sa joie, il a voulu sauter pour vous rejoindre, hein, ça. Ben voilà, mais vous n'êtes pour autant... Non, c'est pas vous qui l'avez tué, Michel. Il faut remettre les... Je comprends que vous soyez très traumatisé, mais ce n'est pas vous qui l'avez tué. Malheureusement, vous avez voulu bien faire en allant prévenir ses maîtres que le petit chien était sur le rebord de la fenêtre. Je veux dire, quand on a un petit animal, c'est comme avec quand on a des petits animaux, des petits bébés humains, des petits bébés animaux, on ne laisse pas des fenêtres ouvertes. Je sais bien. Voilà. Donc vous avez dit, vous avez bien dit vous-même que quand vous avez rendu ce chiot à ces personnes, vous vous êtes fait la réflexion, pauvre bête, il va pas tellement être heureux. Donc vous avez bien senti qu'il y avait une certaine négligence. Ben la négligence, elle s'est retrouvée malheureusement là et elle lui a coûté la vie. Il faut malheureusement remettre les choses à leur place. Donc là, vous endossez une responsabilité qui n'est pas la vôtre. Malheureusement, vous avez été... C'est vous, Michel, et vous êtes passé par là, mais vous savez, il aurait pu être au bord de la fenêtre, voir un autre chien passer, et il aurait pu sauter sur le bord de la fenêtre. Il aurait pu voir un pigeon, il aurait pu voir un chat, il aurait pu voir... Je suis d'accord avec vous. Et en fait, comme il faisait nuit, il nous a aperçus. Mais Michel, ce que je veux dire, c'est que... Il ne nous a pas vraiment reconnus. Là où il m'a reconnu, c'est quand j'ai dit non, Rookie. Là, c'est là qu'il a commencé à sauter. Bien sûr qu'il a reconnu votre voix. Mais ce que je veux dire, c'est que... Même quelqu'un d'autre qui, voyant un petit chien comme ça, aurait pu dire « Oh, qu'il est mignon !» et puis parler à ce petit chien sans se rendre compte forcément de la gravité de la situation. Et lui, le petit, aurait pu sauter de la même façon. Ou voyant un pigeon sur le trottoir, ou voyant qui l'intriguait. Parce que vous ne le ressentez pas comme ça, parce qu'il y a votre culpabilité qui prend le dessus. Mais je vous dis que pourtant, que ça aurait pu se passer à un autre moment que vous. Oui, de toute façon, je suis désolée pour de prendre votre temps et... Vous n'y êtes pour rien, c'est vraiment... c'était parce que vous vouliez bien faire et en plus vous aviez
accueilli ce petit chien chez vous et vous vouliez prévenir ses maîtres et vous vouliez, voilà, vous aviez beaucoup d'affection pour ce petit chien. Oui. Et puis évidemment, il vient s'écraser sur le trottoir devant vous. C'est horrible. Bon, c'est horrible, oui. Bah bien sûr, vous êtes témoin de ça et dans une impuissance terrible. Mais c'est ce que, vous voyez, Coco dit, c'est bouleversant, mais il aurait pu sauter un autre jour sans que vous soyez là. Ce sont les maîtres qui sont fautifs. Enfin, je veux dire, cette fenêtre, voilà. Oui, je suis d'accord, mais c'est quand il a entendu ma voix, il m'a reconnu. Mais je vous dis, à la limite, ça aurait pu être quelqu'un qui, faisant, lui parlant gentiment et tout, vous savez, les petits chiots, vous savez comment c'est, Michel, c'est un petit peu foufou. Quand on est gentil avec eux, ils ont envie de jouer avec tout le monde. Il y en a qui le restent même parfois un peu adultes. Mais les petits, les chiots particulièrement, ils ont ce côté foufou et c'est ce qui fait qu'ils sont charmants. Ils veulent être avec tout le monde. Comme dit Brigitte, si vous aviez pu anticiper, vous l'auriez fait. Évidemment. Vous pouviez pas imaginer un seul instant ce qui allait se passer. Non. Vraiment. Donc, vous faites beaucoup de mal inutilement, Michel, parce que c'est déjà suffisamment pénible d'avoir cette scène comme ça, d'être présente là et d'être impuissante. Elle ne me sort pas de là. Ben oui, mais ça, je vous comprends. Je vous comprends parce que c'est évidemment traumatisant. Mais ne rajoutez pas à déjà cela, en plus de vous dire que c'est vous qui êtes responsable, parce que ça, vous faites du mal inutilement. Vraiment. Ok, d'accord. C'est ce que dit Petite Plume, vous avez été honnête déjà en rendant ce petit chien, et vous n'êtes pas responsable de l'inconséquence de ses maîtres. D'accord. Vous les avez prévenus d'ailleurs, les maîtres, là, comment ont-ils réagi? Bah écoutez, je n'ai pas pu rester sur place, je suis partie, et c'est un voisin qui allait les prévenir, bah ils sont sortis tout tranquillement, la maman avec la petite fille, et ils l'ont ramassée, sans cri, sans rien, je veux dire, il n'y a pas eu de pleurs, rien du tout. Ils l'ont cherché, puis ils sont remontés, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Vous voyez, comme dit Margot qui envoie un mail, elle dit c'est bien la négligence finalement qui l'a tué. Cette histoire est à la fois banale et terrifiante. Hein? C'est bien une histoire de négligence et vous, c'est et pas moi, vous qui avez été négligente. Donc il faut vous apaiser. Un petit message de Prune et bien sûr que c'est déjà douloureux et d'avoir cette vision et bon, mais vous n'êtes pas responsable, certainement pas. Ok. Hein? Merci à tous, vraiment merci. Je vous embrasse. Merci. Je vous embrasse, Michel. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et on accueille tout de suite Anne. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Vous vouliez revenir sur le témoignage de Yann, oui. Le jeune homme donc de 28 ans qui avait beaucoup de mal à se remettre de sa rupture qui avait eu lieu pourtant 6 ans auparavant. Oui, parce que moi j'ai un peu la même histoire, mais disons que moi ça m'a duré 10 ans. Et puis j'ai voulu recontacter la personne. Justement, tous les ans, j'y pensais à une date anniversaire et je n'osais pas le faire. Quelle date anniversaire de votre rencontre, de son anniversaire Disons qu'un jour, il avait voulu qu'on échange des alliances parce qu'il voulait qu'on se marie. Et puis j'avais un peu peur, donc c'était symbolique, quoi, dans un bois où il m'emmenait souvent. Oui. Et j'ai toujours, tous les ans, je reportais, j'avais peur. Une fois, j'ai osé appeler, puis quand je l'ai entendu, j'ai tremblé, j'ai pas osé parler. Bon, après, j'ai fait par le télégramme téléphoner. Bon, mais malheureusement, le télégramme n'a pas pu être distribué, justement, parce que la personne était décédée. Et j'ai beaucoup regretté de pas l'avoir fait avant. Cet homme-là était décédé? Comment? 10 ans après, vous avez appris son décès de cette façon-là? Voilà, parce que j'ai osé quand même, je vous dis, envoyer par télégramme téléphoner. Oui. J'avais besoin de lui dire que... Oui. Bon, comment mais comment, et comment avez-vous su, on vous a dit, ça ne peut pas passer, mais vous n'avez pas su la raison. Si, après j'ai rappelé sa mère qui m'a expliqué, en fait. D'accord. Et c'est pour ça que je pensais que Yann devrait peut-être essayer de recontacter la personne.
Parce que peut-être, qui sait, peut-être elle-même ne l'a-t-elle jamais oublié non plus. Parce que d'après Fatia, il y a eu d'autres témoignages bon, qui allaient dans ce sens, en fait. Donc peut-être qu'elle ne me l'a pas oublié. Fatia, non, non, c'était autre chose. Fatia disait qu'elle avait pu... Il n'y avait pas d'interdit comme ça. Ah oui, c'était avec... l'autre personne d'avant qui avait connu quelqu'un à 20 ans, oui. Oui, mais ça n'avait pas pu se faire parce que les parents avaient mis un interdit. Il y a beaucoup de témoignages, on se mélange un peu. Oui, oui. Mais là, je me dis peut-être que la personne ne l'a jamais oublié non plus. Et peut-être que maintenant, avec les années, elle passerait au-dessus de ses parents. Ou peut-être que le fait de mettre une mise au point, ça l'aiderait peut-être à faire le deuil, quoi. Mm-hmm. Parce que moi, je vois la personne, je vous dis, j'ai mis 10 ans. Bon, malheureusement, j'ai appris son décès, je n'ai pas pu lui parler. Et j'ai quand même rappelé sa mère. Je pensais être mal reçue et au contraire, j'ai été très bien reçue. Et le fait d'avoir pu parler de lui, d'avoir pu parler de certaines choses, ça m'a quand même aidée après à faire le deuil, en fait. Oui, c'est ce qui vous a permis à un moment d'avancer. Oui. De vous confronter à cette réalité, d'apprendre que, bon, d'une part, il était décédé, et d'autre part, d'avoir pu en parler de lui avec sa mère. Et... Voilà, parce que sa mère, je l'avais connue, elle m'avait emmenée chez elle plusieurs fois, puis bon... Enfin, moi aussi, la rupture a été faite, en fait, à cause d'une mauvaise relation avec ma mère, en fait. Avec votre mère à vous, d'accord. Voilà. Mmh. Et après d'avoir pu me confier à sa mère, en fait, ça m'a donné un apaisement, ça m'a permis d'oublier un peu, quoi. Mmh. Oui. Enfin, pas d'oublier, mais de faire le deuil. Oui, c'est différent. Oui, oui, voilà, faire le deuil ne veut pas dire oublier. Vous avez raison de préciser. Et c'est pour ça que je disais, par exemple, s'il pourrait la recontacter, puis s'il n'ose pas, il peut toujours faire par le biais des télégrammes téléphonés, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a quand même aidé, quoi. Bon, ben, merci beaucoup pour ce témoignage, hein, Anne. Merci. Ben, de rien. Au revoir. Au revoir. Je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves et attention à la neige, hein, si vous êtes sur la route. Et on se retrouve bien sûr demain.